À tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui vous parler des, des paramètres IP et de l'usage du masque de sous-réseau. Donc il faut savoir que les paramètres IP sont des protocoles de couche 3. Il existe deux types d'adresses euh, les adresses de couche 3 et les adresses de couche 2. Les adresses de couche 3 sont dites logiques car elles sous-tendent où elles sont sous-tendues par la logique réseau. Tandis que les adresses de couche 2 sont des adresses physiques, et ces adresses physiques, il n'y a pas à les paramétrer, elles sont dites physiques, bien qu'en couche 2, puisqu'elles sont présentes sur le contrôleur de la carte réseau, et que leur unicité, permettant l'identification certaine de la machine, ou de la carte réseau, est assurée par le constructeur de la carte réseau. Je parlerai peut-être un peu plus en détail des adresses MAC dans une prochaine vidéo. Toujours est-il que l'adresse MAC, donc l'adresse de couche 2, permettant la liaison au sein d'un même réseau, n'a pas besoin d'être configurée. L'adresse IPv4 et les autres paramètres IP, IP eux, ont besoin d'être configurés. Ça veut dire que chaque carte réseau a besoin d'un certain nombre de paramètres IP pour fonctionner et il faut que la logique qui est derrière tous ces paramètres soit respectée. Alors, il existe un certain nombre de paramètres IP sur votre carte réseau. Les cartes réseau sont l'interface entre l'ordinateur et le réseau et elles peuvent être configurées, ces paramètres peuvent être configurés soit manuellement, soit Automatiquement et ces, ces paramètres IP sont obtenus par la carte automatiquement par défaut. Pourquoi Parce que une personne lambda ne va pas forcément savoir configurer par soi-même euh, les paramètres IP et connaître la logique réseau. Moi, ce qu'elle veut, c'est appuyer sur son ordinateur, qu'il s'allume et que, comme par magie, elle puisse avoir accès à Internet. Et ça se fait grâce au serveur DHCP. On peut également vouloir paramétrer manuellement ces paramètres IP qui sont au nombre de 4, il y a l'adresse IPv4 en l'humain, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut ou gateway et le DNS. Alors, euh, avoir accès aux paramètres réseau via la graphical user interface de Windows, on passe par le centre réseau partage, on va dans modifier les paramètres de la carte propriété de la carte qui se trouve ici une fois qu'on l'a sélectionné on clique sur propriétés de la carte de la carte on sélectionne protocole IPv4 et à nouveau propriété pour y avoir accès et à ce moment là une fois qu'on y a accès on peut paramétrer manuellement euh, les différents paramètres IP on peut y avoir accès euh, via la commande ipconfig, via la commande à ipconfig. Donc euh, on va dans notre CLI, dans notre invite de commande. Donc on tape cmd dans la, dans la barre recherche du menu Windows. L'invite de commande apparaît. Il n'y a plus qu'à taper ipconfig et on voit un certain nombre de paramètres apparaître. Alors l'adresse IPv4 de la carte, elle se compose, comme vu précédemment ici, de 4 nombres euh, dont le minimum est 0 et le maximum 255 de 4 nombres séparés par des points. D'accord Chaque nombre représente un octet. Donc on appelle ceci une adresse décimale pointée à cause du point. Donc ces 4 nombres, pourquoi est-ce qu'ils vont entre 0 et 255 Parce que en fait chaque nombre est un octet de 8 bits. Donc si on a 4 fois 8 bits, on se rend compte que l'adresse IPv4 est codée sur 32 bits. Pourquoi 0 est le minimum Parce que lorsque tous les bits sont à 0, leur valeur est à 0. Lorsque, lorsque tous les bits de, de l'octet sont à 1, la valeur décimale est 255. Alors si je prends une adresse IPv4, ici 62.168.1.4, Comment cela se traduit-il en binaire Vous savez qu'en qu binaire, euh, les seules valeurs que peut prendre un bit, c'est 1 ou 0. Dans un octet, euh, chaque, 1, chaque 0 a sa propre valeur. Par exemple, si je prends 55, ce nombre est écrit uniquement avec le chiffre 5. Mais le 5 de l'unité ne vaut pas le même que 5 des dizaines. Le premier 5, donc le 5 le plus à droite qui a la valeur la plus faible, vaut 5. Le 5 le plus à gauche dont la valeur est des dizaines, vaut 50. Ben C'est la même chose pour les, les bits. Qui sont dans un octet en fait le bit de poids faible se trouve ici, il se trouve à votre droite et il vaut 2 exposants 0. Tout nombre exposant 0 vaut 1. Ça veut dire que si ce bit est à 1, comme ici par exemple, d'accord, la valeur 1 est dans l'octet. Puis on a 2 exposants 1, 2 exposants D, donc on a la valeur de chacun des bits placé dans l'octet, on dit que le most significant bit, le bit de poids fort est à gauche et le less significant bit, le bit de poids faible est à droite. Donc chaque fois que un bit à 1 est placé quelque part dans, dans l'octet, il a une certaine valeur. Donc ici, je vois que le premier bit vaut 128, le deuxième bit vaut 64, et eh bien si je regarde, tous les restes est à 0, donc il n'y a aucune valeur reprise ici. Donc 1 plus 1 et 1, donc 1, 128 plus 1 qui vaut 64 font 192. Et c'est comme ça que l'octet est traduit, donc en valeur décimale. Très bien. Si je prends l'exemple juste ici, 168, et eh bien en fait j'ai 3 bits qui valent 1 dans mon octet, donc 1 vaut 68, celui-ci vaut 32, celui-ci vaut 8, quand je somme le tout ça fait 168. Ici je vois que tous les bits sont à 0, sauf le dernier qui est à 1 et qui vaut 1, donc la valeur de l'octet est à 1. Idem ici, je n'ai qu'un seul bit dans mon octet qui est à 1 et sa valeur est 4. On voit bien que. Le, la valeur du, du bit, euh, donc 1 ici et 1 ici, donc la valeur du bit à 1, comme il est en troisième position, il vaut 4, et la valeur du bit comme il, 1 qui est à la première position vaut 1. Voilà. Donc le masse de sous-réseau lui est également constitué de 4 nombres séparés par des points, nombre compris entre 0 et 255 également, c'est forcément. 4 octets de 8 bits. Il a une fonction particulière. Alors on va, on va voir sa fonction un peu plus tard, mais sachez simplement que dans un masque de sous-réseau, pour qu'il soit correctement configuré, il faut une suite de, de bits à 1 ininterrompu, suivie d'une suite de bits à 0 qui est également ininterrompue. Donc on a une suite de bits à 1 ininterrompue. Et une suite de bits à 0 ininterrompue. En effet, dans le masque de sous-réseau, 1 signifie que ce sont des bits qui désignent la partie réseau, et 0 signifie les bits qui font partie de la partie haute. Et en fait, ceci nous permet de diviser, de segmenter l'information qu'il y a une adresse IPV, IPv4 en 42 Effectivement, il y a deux valeurs. Une adresse IPv4, il y a la valeur réseau, donc c'est à dire l'adresse du réseau et le numéro de l'eau dans ce réseau. Autrement dit, une adresse IPv4 correspondrait à une lettre au nom de la rue et au numéro, mais tout serait attaché en même, sens, en même temps. Donc lorsque je regarde une adresse IPv4, il faut me rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule valeur là-dedans, il y a deux renseignements. Il y a le premier renseignement qui est le renseignement de l'adresse réseau et l'autre renseignement est l'adresse hôte, le numéro de l'hôte dans ce réseau-là. Alors, évidemment, ce qui nous intéresse tout particulièrement avant le numéro de l'hôte, d'accord Avant d'identifier un hôte, il faut identifier un hôte dans son réseau. Donc, ce qui nous intéresse, et ce qui va intéresser les routeurs, puisqu'on est au niveau 3, c'est le réseau. Donc, la couche 3, elle s'intéresse d'abord à la logique réseau. Et donc, il est extrêmement important de connaître l'adresse réseau. C'est si vous voulez l'adresse de notre rue avant de se rendre à une maison. Il faut forcément d'abord se rendre dans une rue. Donc on s'intéresse toujours d'abord au réseau. Et ce qui va nous indiquer l'adresse réseau d'une adresse IPv4, donc la partie réseau d'une adresse IPv4, c'est le masque de ce réseau. On voit cette suite de bits ininterrompus à 1. Eh bien, ce qu'il dit, c'est que tous les bits ici appartenant à l'adresse IPv4, appartiennent... Au réseau si le masse de sous-réseau est à 1 juste en dessous. Donc ici on voit 1 1 1 1 1 255, c'est-à-dire dire que tout cet octet appartient au réseau, permet d'identifier le réseau. Tout cet octet, puisque c'est une suite de bits ininterrompus à 1, également désigne euh, le réseau et tout cet toutes ces suites de bits à 1 font que le troisième octet puis le premier bit du quatrième octet font partie d'un code binaire d'accord d'un code binaire unique qui désigne ce réseau unique donc ça c'est le numéro d'identification binaire du réseau. Voilà, ça, c'est le numéro de binaire du réseau. Ben, pour nous, c'est un peu compliqué de lire le binaire, donc nous, on le traduit en décimal. Et on voit ici 192.168.1.0, c'est l'adresse du réseau. Et l'autre, le numéro de l'autre dans ce réseau, si vous voulez le numéro de la maison dans la rue, ben, c'est 4, c'est 004. Donc en fait, comment obtient-on ceci On dit qu'on applique ce qu on appelle un et logique. Ça veut dire que partout où je vois un, un numéro 1, un bit à la valeur 1, je recopie, d'accord, je recopie ici le, la valeur des bits. Ici, si j'ai 1, je mets 1, si j'ai 1, je mets 1, si je mets 0, je mets 0. Et donc, cette suite de bits que je vois ici, Tant qu'il y a des 1 en dessous, donc tant qu'il y a des valeurs appartenant aux masses de sous-réseau, le masse de sous-réseau est dit 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, eh bien, toute cette partie ici, je vais la recopier. Donc, toute la partie où il y a des 1 successifs provenant du masse de sous-réseau, je la recopie et elles font partie de mon réseau. D'accord Et donc, ça, ça donne le numéro d'identification de mon réseau. Et bien sûr... Tous les bits hautes sont mis à zéro. Ça fait partie euh, d'une adresse réseau. En fait, mon adresse réseau c'est tous ces bits-là plus tous les bits hautes à zéro. C'est ce qui identifie la, la, le réseau. En fait, c'est comme si je dis euh, que l'adresse réseau c'est le nom de la rue avec le numéro 0 de maison, on sait très bien que dans une rue il n'y a pas de numéro de 0, euh, il n'y a pas de maison qui ont le numéro 0, donc 0 n'indique pas euh, 0, un nombre haute 0 n'indique aucun hôte en fait il indique le réseau. Donc la caractéristique d'une adresse réseau c'est que la partie haute ici hein, indiquée par les zéros dans le masque de sous réseau est également à 0. Voilà. Donc ça, j'ai donc séparé, grâce à mon masque de ces réseaux, la partie haute. Je peux connaître l'identifiant de mon réseau et l'identifiant de mon hôte. D'accord Donc j'ai séparé l'identifiant réseau, ici, en rouge, et l'identifiant hôte dans ce réseau. identifiant hôte, ici, en vert. Donc, comme je vous ai dit, l'adresse IPv4 possède deux informations. Une partie... Identifie le réseau duquel fait partie la machine et une qui identifie la machine dans ce réseau-là. L'adresse IPv4 elle doit être unique évidemment afin d'assurer les notifications d'une machine sur le réseau. Pourquoi bah Parce que quand je m'adresse à quelqu'un ou quand je vais faire parvenir à un courrier ou à quelqu'un, il faut que cette adresse soit unique. Si euh, il existe euh, un facteur arrive euh, à un croisement, il voit euh, deux rues portant le même nom. Deux rues et même à, par exemple deux fois quatre rues euh, rouges et quatre rues rouges, il arrive, il a la rue rouge, la rue rouge. il eh ben, il sait pas euh, faire la différence, donc il est important d'avoir un numéro de réseau unique et en plus il faut que l'identifiant, donc le numéro d'hôte soit unique, parce qu'imaginons qu'il que le facteur arrive dans la rue. Euh, s'il y a deux maisons numéro 4, il ne saura pas où distribuer le courrier. Donc il faut non seulement que l'adresse IPv4 s'assure qu'il y ait un numéro de réseau unique, mais que l'association numéro d'hôte et numéro de réseau soit également unique. Donc j'ai un seul numéro d'hôte par réseau. D'accord Et donc, ceci assure euh, l'identification d'un euh, node dans son réseau, ou qu'il soit à travers le monde. Donc, une adresse IPv4 unique indique le réseau et le PC dans euh, les réseaux. Voilà.